démission, de vacances. Le président de la République, Paul Biya, D'accord. sera remplacé par le président du Sénat, Nied Difendi. Le processus de remplacement sera coordonné par le Conseil constitutionnel et le président de l'Assemblée nationale. Si après cette vidéo, tu t'obstines toujours à ne pas voter pour les présidentielles 2025, c'est toi le sorcier du Cameroun. Je dis bien sorcier du Cameroun. Je vous fais revoir la En cas de décès, de démission, de vacances, le président de la République, Paul Biya, sera remplacé par le président du Sénat, Nied Difendi. Le Vous processus de avez vu remplacement Niak? sera coordonné par le Conseil constitutionnel et le président de l'Assemblée nationale. Voilà le président de l'Assemblée nationale. Si après cette vidéo, tu t'obstines toujours à ne pas voter pour les présidentielles 2025, c'est toi le sorcier du Cameroun. Je dis bien sorcier du Cameroun. Le sorcier du Cameroun, c'est celui qui refuse de voter et celui qui refuse de prendre son destin en main. La sorcellerie, c'est aussi l'un des termes qu'a choisi Petit Pays pour s'exprimer sur Info TV. Au moment où l'élection présidentielle est à notre porte, beaucoup d'artistes ont commencé à prendre position et à sensibiliser. Sensibiliser le peuple pour qu'il aille s'inscrire massivement pour décider. À l'époque, les artistes camerounais, à l'instar de l'Apiro de Mbanga, étaient très engagés. Rares sont aujourd'hui des artistes tels que Valsero, Lady Pons et j'en passe, qui peuvent encore avoir ce courage, voire Caresse Fosso, à pouvoir percer l'abcès, au risque d'être souvent banni. Petit Pays est un grand artiste et lui aussi a pris la parole dans un média interviewé par Parfait ici. Mais Petit Pays s'est beaucoup retardé aussi sur la sorcellerie par rapport à son accident. Mais avant d'arriver sur ce côté de la sorcellerie, puisque comme cette jeune dame qui vous dit, la sorcellerie d'abord, c'est celui qui refuse de choisir ses dirigeants. La sorcellerie, c'est celui qui pense que, eh bien, Dieu viendra du ciel pour résoudre tous ses problèmes et qu'il faudrait laisser Paul Biya qui a été choisi par Dieu. La sorcellerie, c'est celui qui pense que Laurent Esso, Mwanda Yolo, ou encore Ngonga, et toute la clique là, qu'ils veulent du bien au pays et que eux, parce qu'ils ont bénéficié d'un décret, ils sont des saints. Là, c'est la vraie sorcellerie. Mais la vraie sorcellerie, parfois, c'est quand on ne sait même pas qui est le chef sorcier. Le chef sorcier, dans un pays, ça ne peut être que celui qui commande tout le monde. Le chef sorcier au Cameroun, c'est donc qui? N'allez pas chercher les sorciers à Tanganyi. N'allez pas chercher les sorciers qui sont des petits sous-préfets. N'allons pas chercher des petits sorciers qui sont en train de voler quelques miettes ou qui tuent quelques jeunes au village. Paul Biya, lui, l'a tué. Des centaines de milliers de Camerounais. Il a détruit des vies. Il a exécuté des militaires. Ce qu'on appelle des exécutions extrajudiciaires.
certains sanguinaires qui gèrent un régime totalitaire. Il est donc le premier sorcier. Sauf que, petit pays qui pourtant est un grand artiste et qui d'ailleurs a pu relever qu'au temps d'Aïdjo, au moins, la musique, on n'avait pas besoin de faire de la sorcellerie, mais on avait juste besoin de quelques studios, on avait besoin juste de quelques salles de spectacle, on avait besoin de l'aide à la culture. Et ces artistes-là brillaient. Est-ce que Tarandré Marie avait besoin de faire de la sorcellerie pour briller à travers le monde? Est-ce que Manu Dibango avait besoin de faire de la sorcellerie pour briller à travers le monde? Est-ce que Boalotine avait besoin de faire de la sorcellerie pour briller à travers le monde? Est-ce que Petit Pays lui-même avait besoin de sorcellerie pour briller à travers le monde? Mais aujourd'hui, les artistes se plaignent plutôt de la sorcellerie et non de celui qui a détruit leur musique, leur esprit et qui a fait tout simplement qu'ils apprennent à vivre dans la médiocrité, dans la peur, à ne même plus prononcer un mot. Je vais vous faire écouter les réponses des Petits Pays tremblotants, hésitants, craignant même de prendre position face au bilan de Paul Biya. Après certaines choses qui a fait aussi des erreurs, parce que nous sommes tous des humains, on peut quelque part, ça dépend. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Petit Pays, ouais. De votre avis, hein, quel est le regard de manière claire que vous jetez sur les 42 ans de pouvoir du président Paul Biya? Échec ou alors réussite? Petit Pays, comment réponse. Je peux définir cela? Je me dis que Vous semblez bégayer, Petit Pays. Non, moi je bégaye pas. Ah, mais je dis des choses qui sont sensées. Petit Pays, parlons un tout petit peu de politique, hein, de manière un peu plus profonde. 2025, c'est demain, nous aurons une nouvelle élection présidentielle au Cameroun. Au Cameroun, justement, il y a un débat qui est né. Beaucoup pensent que le président Paul Biya a déjà un âge avancé et qu'il est temps qu'il dépose les armes, entre guillemets. Au moment, certains pensent que si la nature est maintenant, toute cette expérience sont de son côté, il peut toujours être candidat en 2025 pour un autre mandat. Petit Pays, vous vous situez à quel niveau pour ou contre la candidature du président Paul Biya en 2025? Mais je pense que si le chef d'État veut travailler et faire ce qu'il n'a pas pu faire, pourquoi ne pas, je sais pas moi, s'il veut travailler, parce que comme je vous ai dit que c'est un processus, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent échapper, parce que voilà, on s'occupe de d'autres choses, ainsi de suite et tout. Et qu'après, le fait que les enfants ont crié à la maison, les enfants ont pleuré, les enfants ont critiqué et tout, ça peut te ramener à la conscience et à te rattraper à certaines erreurs ou alors certaines choses qui t'ont échappé. Donc, vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, comme tu le dis, il y a de l'âge et tout, mais l'âge, c'est le. C'est vrai que ça s'accompagne avec le cerveau, c'est vrai, mais il y a des gens qui ont qui ne vieillissent pas au niveau du foie. C'est comme le bouc. C'est son cas. Je te dis que le bouc vieillit, mais pas du foie. Mais ça, on réfléchit au niveau du foie. Non, on ne réfléchit pas, mais. Le foie est un élément très important dans le corps. Quand tu as le foie qui est bien portant et tout, je me dis que tu peux encore résister à beaucoup de choses.
Donc c'est un peu ça. Vous savez, le Cameroun n'est pas comme le Sénégal qui est en matière de démocratie, qui est assez avancé. Hein? Ce qui fait que gérer le Cameroun, c'est comme si on gérait toute l'Afrique. C'est pas facile. C'est un continent. C'est vous qui le dites, donc c'est pas facile du tout. Je vous dis que si on a la chance d'avoir un ancien qui est là, qui est un sage, qui a fait des choses et qui n'a pas fait certaines choses, qui a fait aussi des erreurs, parce que nous sommes tous des humains, on peut quelque part, ça dépend. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Petit pays, ouais. De votre avis, hein, quel est le regard de manière claire que vous jetez sur les 42 ans de pouvoir du président Paul Biya? Échec ou alors réussite? Comment je peux définir cela? Je ne dis que ce... Vous semblez bégayer, petit pays. Non, moi je ne bégaye pas. Ah, mais je dis des choses qui sont sensées. Il a été là avant. Même la construction du pays, je pense que ce pays a été construit. Il était là. Il était là. Il n'était pas chef d'État, mais il était là. Donc c'est lui sûrement qui faisait tout ce boulot qu'on a tenu aujourd'hui au Premier ministre. Est-ce que vous répondez à la question? Je réponds à ma façon. Non, les téléspectateurs veulent savoir. Oui, le président Biya, ils vont savoir. À 42 ans au pouvoir. Oui, le président Biya. Le petit pays est un leader d'opinion. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de ces 42 ans de magistère de M. Paul Biya? C'est pour ça que je reviens en arrière pour dire que même avant sa règne de 42 ans, qu'il a passé, je me dis qu'il était là avant, parce qu'il était, il a occupé le poste, et ce poste nécessitait sa présence et son savoir-faire et son rendement. Donc il a contribué à l'évolution de ce pays. Ça, c'était avant. Voilà. Moi, je parle quand lui est devenu chef d'État. Oui. Maintenant qu'il est chef d'État, oui. Je me dis quand même qu'il y a des choses. On peut applaudir pour M. Biya. C'est un oui, c'est un non. Et toi, tu applaudis, mais tu n'applaudis pas. Mais moi, je suis différent. Moi, je suis différent. Vous applaudissez, mais vous n'applaudissez pas. Écoutez mes chansons. Moi, je ne connais pas toutes tes chansons. Ah, moi, j'ai chanté en français et tout le monde a compris mes chansons. Tout le monde comprend mes chansons. J'essaie de vous expliquer les choses que j'ai. Il y a 30 ans que je mangeais de certaines choses. Je vais le redire si vous le voulez, mais je pense qu'il y a 30 ans que j'ai dit des choses. Les gens oublient ça aujourd'hui. Bon, il ne faut pas amener à... Non, moi, je me dis que... On peut amener quelqu'un à se rattraper. On peut critiquer la personne. On peut aussi demander à la personne de faire des efforts. Et ça dépend de capacités, ça dépend de sa volonté, ça dépend. Et tout. Vous savez, dans les familles, ils mettent trop long. C'est une grâce. C'est une grâce, c'est pas donné. C'est pour dire qu'il peut encore être candidat en 2032. Je ne fais pas la politique. Petit pays, vous avez pourtant dit qu'on parlerait de tout. Oui, mais je parle de ça. Alors, c'est autre chose. Petit pays, une autre question, hein, je m'en voudrais d'ailleurs si je ne vous la posais pas. Que pensez-vous de Maurice Kamto, qui pense qu'il a également de l'étoffe pour diriger ce pays? Ce sont des gens valeureux. Mm-hmm. Oui, oui. Le Cameroun a ce problème-là de détruire un peu ses valeurs. Mm-hmm. Ailleurs, quand on a des gens, des phénomènes, que ce soit, je ne sais pas moi, sur tous les domaines, quoi. Un peu voyou, un peu macro, un peu business, un peu cela. C'est des gens qu'on devrait encadrer, localiser et leur permettre de nous décrocher la lune et non les détruire. Ce côté-là, moi, je n'apprécie pas. Si on a des valeurs, peu importe le comportement, peu importe, comme ils sont nombreux. Beaucoup, même dans la banque, même dans les sociétés, ils sont un peu salauds, ils sont un peu bandits, un peu voyous, un peu tout. On ne les punit pas, on ne les détruit pas complètement. On les amène et on essaie de localiser et profiter parce que nous tous, chacun de nous a son apport. Donc c'est un peu ça. Très bien. Bon, mesdames et qui n'a pas fait certaines choses? Mesdames et messieurs, vous avez pu constater que Petit Pays dit qu'il ne fait pas la politique. Ça veut dire qu'il n'a pas de carte d'électeur. Les Noirs
et particulièrement les musiciens, se sont battus aux États-Unis. Myriam Makeba a fait la prison, a fui l'Afrique du Sud. Parce que les artistes portent un message. Tout artiste a droit au vote. Personne ne dira, parce que je fais mes chansons, je ne vais pas voter. Comment à cet âge, petit pays peut dire, je ne fais pas la politique? Et pourtant, c'est petit pays qui chante. Lorenzo, Lorenzo, le cœur du pays. Lorenzo, c'est qui? C'est pas le cœur du système? C'est pas le ministre d'État de la Justice? C'est pas l'un des hommes ayant détruit plus le Cameroun? Quand on parle de Moïse Kamto, oh, bon, certains peuvent être un peu voyous, mais Lorenzo, c'est un grand voyou, lui. Dans une partie de l'interview, de cette interview, Petit Pays a parlé de son accident de circulation. Et là, je me suis cru dans l'histoire des mille et une nuits. J'ai cru qu'il racontait les histoires que ma grand-mère me racontait quand j'étais au cours préparatoire. Et j'y croyais. Mais sauf que c'est Petit Pays, le musicien qui a le plus grand nombre d'albums. Après lui, je crois que celui qui vient, c'est Missengo François. Petit Pays a fait un accident. Et qu'est-ce qu'il explique? Il dit qu'en fait, c'était la sorcellerie, l'accident qu'il a fait. Parce que la moto s'est transformée en dragon, en éléphant, en lion. Que en fait, on croyait que c'est la moto, mais cette moto-là s'est transformée en lion. La moto s'est transformée ensuite en éléphant. Et la moto s'est aussi transformée en dragon. Y a-t-il les dragons à Douala? Et il y a les dragons où au Cameroun. Quand ce petit pays qui va dire ça à la radio, à la télévision, les enfants te regardent. Mon ami Petit Pays, tu sais que tu es mon ami. Mais ce n'est pas sérieux. La réalité est que Petit Pays a connu un choc violent. Et quand on connaît, quand on subit un choc violent, eh bien, c'est ce qu'on appelle voir les étoiles. Vous pouvez voir des morts. D'autres même sortent de là inconscients. On va jusque dans le coma. Le choc est violent d'autant plus qu'il n'avait pas de casque. Que d'aller donc dire que c'est les sorciers du village et ils sont en train de mourir un à un. Donc, comme ils ont raté Petit Pays là, ils sont en train de mourir un à un. Mais tout le monde va mourir, qu'on soit sorcier ou pas. Ce n'est pas un argument que de dire que c'est la sorcellerie. Le vrai problème, c'est qu'il l'évite. Là, il y a le problème. Son accident est dû au manque d'infrastructures à Douala, au manque de routes, au manque de ce qu'on peut appeler justement les moyens de transport en commun. À l'époque, à Douala, il y avait des bus comme à Yaoundé partout. Il y avait la Sotuc. Ce régime nous a promis le tramway à Douala. Au lieu du tramway, on a déjà seulement des mototaxis. Mais monsieur Petit Pays, puisque vous avez fait un accident, vous vous êtes sorti vivant. Je donnais encore des statistiques. Seulement de l'hôpital La Quintini, en avril 2024, mi-avril 2024, 14 000 accidents de moto-taxi. 14 000 accidents enregistrés à La Quintini. Mais Petit Pays, tu veux dire que ce sont les sorciers de ton pays, de ton village, qui sont en train de provoquer tous ces accidents-là au Cameroun, à Yaoundé, dans tout le pays? Certains sont amputés, d'autres meurent sur place. Les enfants, tout le monde meurt. On ne peut pas mettre ça
que c'est la sorcellerie, que c'est les gens de ton quartier, de ton village qui ont envoyé et puis, boum, tu es tombé parce que c'était la sorcellerie. Les accidents de route au Cameroun, c'est partout parce qu'on n'a pas d'autoroute. Deuxième chose à Douala, une ville, Kamadouaïdjo, a laissé peut-être avec à peine 1 million d'habitants. Aujourd'hui, il y en a plus de 6 millions. Et il n'y a même pas de recensement. Mais sur les 6 millions, il y a plus de 4 millions de motos. Et ces motos faufilent au niveau de ces routes qui sont déjà en très mauvais état. De sur quoi? Il n'y a plus l'éclairage public. Voilà comment petit pays subit son accident. Ça s'explique techniquement. À Douala, il y a des centaines d'accidents par jour. Ça ne vient pas de la famille de petit pays. Ça vient juste du fait que il y a une démographie galopante, il y a un manque d'infrastructures. Et au-delà de ça, ce petit pays aujourd'hui a des difficultés à se déplacer. C'est parce que justement, il n'y avait pas de plateau médical. On aurait pu prendre petit pays immédiatement en charge. Mais non, on ne l'a pas pris en charge. Résultat, un des pieds de petit pays est presque aujourd'hui en état de putréfaction. C'est des secrets médicaux, mais il ne faut pas cacher cela au peuple camerounais quand on voit petit pays si souffrant qui est obligé de venir en France. Comment se peut-il que à Douala, qu'on ne puisse pas avoir un plateau médical, ne serait-ce que pour soigner quelqu'un qui a subi un traumatisme suite à un accident, qu'on ne puisse pas opérer? Oui, petit pays, quand on lui met un fer au niveau de la jambe, mais bien évidemment, il faut qu'il revienne en France. Combien de Camerounais sont capables de venir en France? Combien de Camerounais sont capables d'aller faire l'IRM dans une clinique privée parce que les hôpitaux publics n'en ont pas? Ce n'est pas un problème de sorcellerie. C'est un problème de ce que ce gouvernement, ce régime, dont petit pays continue à accorder la sagesse en disant non, il peut se rectifier parce que son foie est encore bon. Terrible. Donc quelqu'un meurt de cerveau. La première mort, monsieur petit pays, on parle souvent de mort cérébrale. Mais vous dites que c'est le foie. Donc Paul Biya nous dirige avec le foie. Donc c'est le foie de Paul Biya. Et qui est convaincu que son foie là se porte bien puisque voilà quelqu'un qui lui-même finit des litres de vin rouge et tout ça. Mais il est fatigué. Papa, tu es fatigué, va te reposer. La retraite existe. Si donc on est un artiste et on ne peut pas avoir le courage de dire au vieux Laurent Esso que depuis 1982, tu es le seul ministre qui est là. Mais il y a d'autres qui sont compétents. Si aujourd'hui, vous ne parvenez pas à toucher les droits d'auteur au temps d'Amadou Ahidjo, il y avait les droits d'auteur, il y avait le Centre culturel camerounais, il y avait l'Orchestre national. Et les artistes, comme d'ailleurs, il a eu l'honnêteté de le dire, jouaient devant le chef de l'État. Aujourd'hui, Paul Biya, lui, va vous parler seulement de Mozart. Là où la route passe, le dormant suit. Il n'y a pas de route à Douala. Et même pour venir à Yaoundé, vous devez passer par le vieux train qu'Aïdjo avait laissé. Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Boum! Le gouvernement qui a mangé, croqué les avions qui faisaient notre fierté. Ils annoncent que maintenant ils vont créer, à travers Camerco, ils vont créer des lignes qui vont ravitailler toute l'Afrique.
applaudi que Paul Biya va maintenant faire la concurrence avec Air Sénégal. Que c'est ça qui va rapporter de l'argent à travers Cameco. Aïe, tu es parti, on avait 11 avions. Aujourd'hui, on a combien? Et les mêmes choses reviennent toujours à la veille de l'élection présidentielle. Avant l'élection 2018, mais on nous disait qu'on réactive Cameco. On nous disait qu'on ouvre de nouvelles agences, de nouvelles lignes. La ligne de Libreville, puis la ligne qui devait aller aussi à Brazzaville. Par la suite, tout ça est tombé. Les Camerounais voulaient aller une fois à Libreville, ils avaient payé, Cameco n'avait pas d'avion. Mais maintenant, comme l'élection présidentielle approche, le même gouvernement nous dit qu'ils vont acheter deux avions Q400. 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 Bombardier. Mais vous allez en guerre? Vous entendez les noms comme ça, là, vous avez même peur. Les gars, mesdames et messieurs, ne montez pas dans les choses, la personne peut les assurer. C'est des vieux coucous à l'instar de l'albatros que Paul Biya était parti ramasser dans un désert au Nicaragua qui ne peuvent même pas être assurés. Et vous dites que c'est avec ça que vous allez désormais lier à partir du 15 mai 2024. Et vous me reliez qui Cotonou. Voilà la priorité des dirigeants camerounais, de Cameco. Ils achètent les avions. Ils ne parviennent pas à ravitailler le secteur national. C'est-à-dire que 51% du territoire national n'est pas couvert par Cameco. Maintenant, ils disent que la ligne qui est plus importante pour eux, c'est d'aller à Cotonou au Bénin. C'est pour aller faire le vaudou. C'est avec les oiseaux de nuit, c'est le balai. Mais qu'est-ce qu'il y a au Bénin? Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a au Bénin? Le Bénin, c'est un pays très développé. C'est un pays où on fait beaucoup les affaires. C'est un pays où il y a une grande densité démographique de telle sorte que vous allez remplir des avions. Et puis votre Q400, là, Q400, où est l'argent pour l'acheter? Et tous ceux qui vont le prendre en leasing, donc location-vente. Là encore, un autre système de détournement. Ils disent que c'est pour aller rivaliser avec Air Sénégal, qui est déjà implanté là-bas. Mais vous voyez comment est-ce que les dirigeants camerounais sont malhonnêtes quand ils veulent déjà voler? Ils veulent aller prendre des vieux coucous, soit disant que c'est maintenant le Bénin. Autant d'ailleurs dit on allait aux États-Unis avec Cameroun, on allait avec Cameroun Airlines, avec le Boeing 737. On allait en France et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier Boeing que le Cameroun avait. Non seulement ils sont partis prendre ça en leasing, mais par la suite, ils étaient incapables de payer les taxes. En 2014, cet avion a été mobilisé en France jusqu'aujourd'hui. On a demandé à l'État du Cameroun de payer 20... C'était 26 millions en 2014. Quand on arrive en 2015, la dette monte à 32... Quand je dis 26 millions, c'était 26 milliards. Les dettes que Cameco de Paul Biya devait, on a mobilisé l'avion. En 2015, c'est allé à 32 milliards. Aujourd'hui, c'est plus de 50 milliards, 70 milliards. Et ce n'est pas tout. Une société qui rapportait de l'argent, aujourd'hui, cette société est endettée pour 123 milliards. Donc, quand vous voyez tout ce qui rapportait de l'argent au temps d'Aïdjo, c'était la Sonara, c'était Cameroun Airlines. Mais ce sont ces deux sociétés qui aujourd'hui représentent 96,4% de la dette extérieure du Cameroun au niveau des entreprises publiques.
Cela veut dire que lorsque vous prenez tout simplement les dettes seulement de ces deux entreprises, vous allez vous retrouver à 800 87 milliards. 887 milliards. Pour des sociétés qui doivent vous rapporter de l'argent. Sonara, c'est du pétrole. Comment une société qui doit vous rapporter de l'argent est endettée? Comment Cameroun Airlines, qui a été transformé en Camerco par Paul Biya, et dont le premier vol, c'était en 2011, se retrouve si endetté? Et vous dites que vous partez faire du leasing pour prendre maintenant une ligne qu'on appelle « Nous allons servir Cotonou ». Regardez le Sénégal. Air Sénégal, Macky Sall crée ça en 2018. Air Sénégal a les avions, les Airbus 320, Airbus 320. C'est-à-dire que vous avez au moins 120 places. Mais il y a lui, il prend des coucous de 30 places, 25 places qui tombent en panne partout. Et c'est hallucinant. Rien qu'en 2018, je vais vous citer quelques petites démonstrations. C'est-à-dire que vous aurez, pour Air Sénégal, deux Airbus 330. Airbus 330, 900. Vous connaissez combien de personnes ça transporte? 290 passagers. Premium, économique, business. Pas les trucs de billets qui font c'est quoi? Qui peut monter dans les trucs de Camerco? Toujours en 2018, Macky Sall a acheté deux Airbus 321. Ensuite, il a ajouté l'Airbus 319. Ensuite, il a ajouté deux ATR 72-600. Maintenant, Air Sénégal a commandé combien? 5 avions qu'on appelle, c'est une structure aircraft qui les fabrique. Sur le plan national, continental, ces avions, c'est uniquement là-bas. Et moins cher par rapport à nos trucs que nous sommes partis prendre en Chine. On les appelle les L410NG. Lorsque vous allez voir, il a aussi acheté 5 Airbus 220. 5 qui ont commencé à être livrés en 2023. Et ça prend 130 passagers. Un seul. Aujourd'hui, Air Sénégal va à Lyon, va à Paris, va à Milan, va à New York, va à Washington. Vague, c'est pas possible. Et même si Paul Biya va aller à Genève, il prend Air Sénégal. On avait des bateaux. Regardez comment la flotte sénégalaise s'est remplie. Regardez les trains qu'ils ont. Ils ont le terre, ils ont ceci et cela. Et oui, mais nous, on n'a pas. Et un artiste dit que non, attendez,
Bon, peut-être il s'est trompé, il peut avoir du temps. Quel temps on peut avoir à 92 ans? Quel temps? Donc Macky Sall, vous dites que notre démocratie n'est pas comme celle du Sénégal. Mais le Sénégal est devenu indépendant quand? Le Cameroun a connu la démocratie avant le Sénégal. Avant même l'arrivée d'Amadou Hadji au pouvoir, le Cameroun était déjà démocratique. Puisqu'il y avait les trucs comme les UC, les NDP, les ceci et cela, ce n'est que quand Aïdjo arrive au pouvoir qu'il installe le monopartisme. Sinon, les André Marine Bida, ils étaient dans d'autres partis. Quand André Marine Bida devient premier ministre, premier chef du gouvernement du Cameroun, mais c'était avec son parti, d'autres avaient, il y avait plusieurs partis. Y compris même le docteur Lupolo Joula, français, qui avait son propre parti. Et Ayedio, à cette époque, n'avait pas encore l'UNC, il avait l'UC. Est-ce que le Sénégal parlait de démocratie à cette époque-là? On ne peut donc pas dire qu'on ne peut pas avoir dirigé le Cameroun, c'est comme diriger un continent. Quel continent? Quel continent? En démographie? En superficie? Sur quoi? Ni sur l'indice de développement, tu ne vas pas trouver le Cameroun. Sur le PIB, tu ne vas pas trouver le Cameroun. Sur la route, tu ne trouves pas le Cameroun. Sur la croissance, tu ne trouves pas le Cameroun. Et on dit diriger le Cameroun, c'est comme diriger un continent. Donc ce n'est que Paul Biya, qui a 92 ans, va continuer à diriger. Et quand parfois ici demande, donc même jusqu'en 2032, pas toujours, on ne peut même pas trancher. Avant de parler, donc, de Sameko, qu'on est en train de vouloir juste voler. Et rien ne marche, ni l'entretien, ni ceci, aucune structure n'est installée. Je vais vous faire lire l'expertise de quelqu'un qui connaît bien la maison et qui va vous parler des Q400. Qu'on dit maintenant qu'on va revenir avec ça le 15 mai 2024. Et on applaudit. Voici une longue lettre. Je ne sais pas si je vais la finir, mais tout au moins, écoutez parce que c'est très important. Pour que vous ne preniez plus les vols. Monsieur le directeur général, dirigeant responsable, j'ai l'honneur de vous transmettre cette correspondance pour attirer votre attention sur la situation extrêmement alarmante de Cameco. Vu 1. L'augmentation de la fréquence des pannes immobilisant totalement les avions de Cameco et augmentant encore plus la charge de travail de nos effectifs, peine déjà en sous-effectif. 2. Les alertes incessantes envoyées par certains cadres et responsables impliqués dans les tâches de suivi de maintenance des aéronefs de Cameco, comme pourra le confirmer le DSM qui a été interpellé à son tour très récemment. 3. La détérioration continue des conditions de travail empêchant certains services cruciaux de contribuer au maintien de la sécurité des vols avant toute considération commerciale. 4. La suspension pour non-paiement de certains services supports critiques permettant le suivi des KPLS en matière de sécurité de notre exploitation. 5. L'utilisation de nos aéronefs hors limitation structurelle et en marge des procédures constructeurs par certains pilotes qui ne subissent aucune mesure disciplinaire nécessitant la validation de la direction générale. 6. L'intégration de nouveaux aéronefs ACMI qui ne suivent pas le process interne et exposant temporairement la compagnie à des risques légaux qui confirment un dysfonctionnement organisationnel. 7. Une absence totale de contrôle qualité
des structures partenaires impactant le taux de fiabilité de nos aéronefs. 8. Un climat social extrêmement dégradé ayant transformé nos ressources humaines les plus dédiées en ressources totalement résignées. 9. Une configuration organisationnelle inadaptée à la gestion de tous les risques internes associés à notre exploitation. Niveau de sécurité de vol dégradé, tentative de fraude, etc. 10. L'implication de certains pilotes étrangers qui ont été appelés en support et eux-mêmes refusant de voler sur nos avions avant que certaines actions de maintenance ne soient faites. Monsieur le dirigeant responsable, notre compagnie aérienne nationale Camerco évolue dans un environnement hautement accidentogène et votre intervention est urgente. Le constat ci-dessus n'est que la résultante logique d'une inadéquation organisationnelle et une dégradation de la situation financière de la compagnie qui a atteint un niveau très alarmant. Tout ceci impacte directement le dernier maillon de notre système de maintien de la sécurité déjà extrêmement oxydé. Tous les points mentionnés ci-dessus représentent chacun les sources de pertes financières de Camerco qui ne sont pas ni évaluées, ni quantifiées, mais qui se traduisent clairement sur les états financiers quotidiens. Fort de ce qui se précède, je vous prie, monsieur le directeur général, dirigeant responsable, de considérer les recommandations suivantes. Déclencher urgemment une task force composée des ressources techniques locales et étrangères indépendantes, AQC, pour faire une évaluation objective du niveau de sécurité de l'exploitation de la Camerco, compte tenu du fait que les alertes émises en interne sont diluées dans d'autres débats. Clôturer urgemment le projet d'harmonisation salariale qui a pour but premier de galvaniser nos ressources humaines, sans lesquelles aucune action ne pourra être menée avec minutie. Nos ressources sont totalement exténuées. Monsieur le directeur général, dirigeant responsable, et ce processus d'harmonisation est juste interminable. Pour rappel, si bien exécuté, cette dernière ne représente pas une augmentation de la masse salariale qui semblerait être la raison de sa non-exécution. Le réajustement de la conduite des réunions, la matinale, qui, je vous l'ai proposé, devrait se focaliser sur les décisions de sécurité en priorité avec les responsables techniques et financiers prêts à agir dès la clôture de la réunion actuellement. Les débats couvrent des problèmes importants allant à ce qui pourrait être géré ailleurs qu'à ce niveau d'échange, comme les manques de puces téléphoniques dans une station et autres. L'appréciation de l'urgence est donc diluée. Elle s'absorbe une énergie considérable tous les matins et nos maigres ressources N1, N2 et N3, tous dans la même réunion, ce qui donne très peu de marge à une phase d'exécution qualitative. Définir un plan qui capturera les actions urgentes à initier pour combler très rapidement certains écarts qui sont tous connus pour assurer la sécurité des vols. Faire intervenir urgemment une tutelle financière pour aider Camerco à financer l'exécution du point numéro 4, car il est évident que Camerco fait face à de sérieux problèmes de trésorerie. En 15 ans d'ancienneté, dans des hautes fonctions d'encadrement, en compagnie aérienne, je n'ai jamais eu à initier une telle correspondance. Mais celle-ci est actuellement mon dernier recours. Encore une fois, des pilotes locaux étrangers qui représentent notre dernière ligne de sécurité, refusant d'opérer des vols pour des raisons de maintenance ou fatigue accrue à répétition, représentent la plus sérieuse des alertes. On y va. D'autre part, compte tenu de la réduction drastique à la suite des AOG sur Boeing 737 et Q400 qui étaient tous anticipés, voici quelques recommandations.
proposé à Cronos. Cronos, c'est une structure qui est en Guinée équatoriale. Hein. C'est là-bas où nous, on va louer les avions. Hein. Des vieux avions. Faire venir des équipages additionnels pour augmenter le taux d'utilisation de leurs avions, E-115, et venir au secours des passagers en détresse. Impact négatif de cette solution. Les coûts d'opération des E-115 seront toujours supérieurs aux revenus même à un remplissage à 100%. Donc, nous allons accentuer le déficit financier avec d'autres augmentations de fréquences. On leur dit l'augmentation des fréquences. Ils disent qu'ils doivent aller au Bénin. Vous savez combien de fois? 4 fois par semaine. Ils vont lundi, ils vont mercredi, ils vont vendredi et samedi. 4 fois. Voilà ce qu'ils proposent. La location en ACMI, malheureusement, d'un jet de minimum 90-110 places, afin de combler le déficit en capacité. Cet aéronef en support serait loué durant toute la période AOG de notre 737, tout en faisant le nécessaire pour réparer nos Q400. Donc voilà, on vous parle des Q400. Mais ces Q400 ne sont même pas réparés. Ils n'ont aucune sécurité. Les pilotes refusent de voler avec. Et ils veulent sortir encore de l'argent comme ils avaient fait. Plan de redressement, Kamer. Ils avaient fait quoi? Kamerco. Ils avaient dit, donnez-nous 30 milliards. Après, ils ont dit que c'est Exim Bank qui a fait ceci. Tantôt l'argent est sorti, tantôt l'argent n'est pas sorti. On ne sait pas là où cela est parti. On a laissé. Lorsqu'on essaie de regarder maintenant certaines choses, vous allez voir que, par exemple, la location, nous ont dit en 2015, pour le plan de relance, ils ont dit location 6 avions Boeing. C'est ce que le gouvernement nous a dit. Hein. Avec un type là, comment on l'appelait? Sanjon, Nana Sanjon. 6 avions Boeing. Il devait avoir un avion Boeing 767. C'est allé où? Il devait avoir 3 Boeing 737. C'est allé où? On nous a parlé d'un Boeing 737 cargo, fret. Ça allait où? On nous a dit que cela-là, ça coûtait 10 milliards. On n'en a plus entendu parler. Ce pays, c'est pas possible. À l'époque, Kambe Briand, quand tu chantais, Cameroun Airlines, bang, 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 bang. Petit pays, tu connais le morceau là? Cameroun Airlines! Le combi. Oh! Aujourd'hui, nous voici sur des balais les oiseaux de sorcellerie. Petit pays, l'avion que tu as pris là, c'était la moto. À moto, tu es mort sur la moto, à moto, moto. Ça, c'est l'ongue d'ongue qui chantait ça, non? La moto, c'est l'avion de sorcellerie. Ça t'amène direct en enfer. Quand tu as vu la vie, la moto s'est transformée en dragon. Hein? L'avion s'est la moto des petits pays qu'il a vu. Oh, quand on voyait la moto, mais en fait, la moto s'est transformée en lion, en éléphant, et puis en dragon. Mais quand tu vois les vrais avions voler au ciel, est-ce que ça ressemble à ce que toi tu vois voler là-bas, à Douala? Voler par terre et voler toute la nuit. C'est ça le mal de ce pays. Notre pays avait déjà décollé avec des vrais appareils, avec des vraies compagnies aériennes, avec des vraies compagnies maritimes, avec des vraies compagnies terrestres. Aujourd'hui, notre pays et même nos artistes
voit déjà les motos dragons. Hé, hey, moto dragon. Moto éléphant. Yeah. Moto lion. Ah, bah oui, enfin, là encore, je peux soupçonner parce que tu sais, Paul, il y a c'est l'homme lion, non? Peut-être que c'est lui-même que tu as vu sur la moto. Hein. Paul, il y a c'est l'homme lion. Bon.